Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano, on se retrouve aujourd'hui dans ce quatrième épisode d'Unravel, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver sur le jeu officiel, ça y est, le jeu officiel est sorti, donc j'ai pu le télécharger. Alors, encore une fois, bon après tout va dépendre de l'épreuve, mais peut-être que l'épisode va être un peu court, puisque vu que le jeu sort, eh bien le 9, et que je vais vous poster cette vidéo le jour même, d'habitude j'ai des jours d'avance sur les tournages. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vu que le jeu était disponible qu'à partir d'une certaine heure. Donc il est possible, voilà je vous le dis, il est possible que cet épisode soit un peu court pour que je puisse vous la sortir dans les temps. Alors, troisième niveau, du coup on attaque le troisième niveau. J'ai remarqué, tiens juste avant, j'ai remarqué en lançant le jeu que vous savez les deux petits symboles qu'on avait, je sais plus si je vous l'avais dit mais je vous le redis. Les deux petits symboles qu'on avait, eh bien quand on lance le jeu, on voit sur l'icône de lancement que j'en ai 2 sur 7. Et qu'il en reste donc 5, donc a priori il reste 5 niveaux. Voilà comment ça semblerait se dérouler, enfin si je dis pas de bêtises. Donc, purée de fruits rouges. On va voir un petit peu ce que ça donne, un changement d'ambiance total a priori. Mais qui devrait être encore une fois, je pense, un vrai régal pour les yeux et pour les oreilles. Waouh, waouh, j'adore là le petit rayon de soleil et tout, j'adore, alors ça y est, j'adore déjà ce niveau, je vous le dis, très clairement, ce niveau est magnifique. Alors, je vais essayer de réfléchir un petit peu plus logiquement, parce que c'est vrai que des fois je faisais un peu n'importe quoi, je l'accorde. Alors est-ce qu'il y a des choses là-bas? C'est bizarre, enfin c'est bizarre, oh attendez, attendez, je veux pas mourir non plus. C'est bizarre dans le sens où là on voit clairement qu'il y a une corde. Alors est-ce que je peux faire... Ah non, ok, je ne peux pas faire de pont, donc c'est juste pour me déplacer plus vite. Bon voilà, on aura testé. Écoutez, on aura testé. Hop. Mais ça paraît bizarre parce que j'ai quand même vu quelque chose plus haut. Attendez, est-ce que j'ai vu quelque chose plus haut? Ou est-ce que j'ai complètement rêvé? Si, regardez. Ok, je peux m'y accrocher comme ça, parfait. Donc là on va faire ça. Comme ça. On va se balancer. On va remonter, on va faire la petite corde. Voilà, et là du coup... Alors, est-ce que c'était pour un secret? Telle est la question. Je pense que oui, hein. Je pense que c'était pour un secret, forcément. On va aller prendre ça. Hop! Accroche-toi là. Et accroche-toi encore une fois ici. Et du coup, et oui, c'était bel et bien pour un secret. Parfait! Bah voilà, écoutez, comme ça au moins on a fait les choses proprement. On a fait les choses proprement, on va détacher un petit peu tout ça. Ah, détache, détache. Alors il veut pas détacher, si, ok c'est bon. On va détacher ça, on récupère un petit peu de mou. Yup. Ça on s'enfile pas dans les cordes. Je ne sais pas encore une fois, certains m'ont posé la question la dernière fois si j'allais récupérer tous les secrets ou pas. Comme je vous avais dit la première fois, au début je pensais pas, donc nous verrons bien. On va peut-être essayer de passer directement comme ça parce que sinon ça va être compliqué. Nous verrons bien. Je pense déjà qu'on va faire les niveaux et puis si on veut peut-être se rallonger un peu la durée de vie, si ça vous dit ou quoi, ça dépendra de ma motivation, si je suis pas peut-être plus motivé à partir sur autre chose à ce moment-là. On verra. Déjà on va avancer, écouter un petit peu l'histoire. Ça me paraît être le plus important. Alors, oula, des libellules. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ces libellules? À mon avis... Ouais, voilà, regardez. Ah! Tout simplement, d'accord, très bien. J'aurais pas cru qu'il fallait faire ça, je pensais qu'il aurait fallu revenir en arrière. Mais finalement, ça en est plutôt bien sorti. Vas-y, tire-moi ça. Alors, peut-être dans l'autre sens, tout bêtement. Oui, tout bêtement dans l'autre sens. Oula! Ouh, ouh! J'ai pris un peu tarif là. Ah, vite, 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 remonte! J'ai pris un tout petit peu tarif. Alors, attendez, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Première épreuve. Je peux remonter là-haut si je veux. Est-ce qu'il faut pas tout bêtement que j'accroche un nœud ici? Qu'ensuite je remonte là-haut. Faire un deuxième nœud. Allez, 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 on est pas mal là, on est pas mal. On est pas trop mal. Vas-y, vas-y, on attend encore un tout petit peu, on va pouvoir passer. Oh, c'est bon, on est passé.
C'était vraiment, fallait bien doser, bien jauger. Mais on est passé. Oui, alors comment j'esquive ça par contre? Est-ce que je peux pousser ce rocher? Non. Alors attendez, laissez-moi bien observer les lieux. Est-ce que je peux vraiment pas monter? What, c'est étrange. Ah, vous pensez que j'ai besoin de ça? Vous pensez que je dois le récupérer? Vas-y, viens. Viens, viens, viens. Oui, ok, il faut que je le récupère, très bien. Donc là, du coup, ouais, maintenant qu'on est... Ah non, il vient pas. Attendez, si, c'est bon. Viens! Et il veut pas venir parce qu'il est fixé de l'autre crochet, de l'autre côté. Alors, attendez. Comment est-ce que je suis censé faire? Je veux qu'il vienne. Mais il ne veut pas. Attendez, je vais le décrocher. Ah, il faut peut-être que je le décroche tout bêtement. Voilà, et maintenant... Non, 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 non. Vas-y, viens. En fait, je veux l'accrocher, mais le problème... Voilà, c'est bon, je l'ai. Là, normalement, il devrait venir. Ah, il veut pas. Il veut pas parce qu'il est... Voilà, là, je l'ai bien décroché cette fois. Cette fois-ci, voilà, très bien. Ok, donc avec ça, on devrait pouvoir passer. C'est de plus en plus, pas technique, mais où il faut revenir en arrière et tout, j'aime vraiment beaucoup. On va descendre tranquillement. Dites-moi que j'ai assez de mou. Oui, j'ai assez de mou, parfait. Alors, ceci. Ceci, on va y faire un nœud, même si pour l'instant je vois pas trop l'utilité. Oula. Tout doux quand même, tout doux. Ah, j'aime pas toutes ces petites bêtes. C'est un petit peu dégueulasse. Alors, épreuve suivante. Épreuve suivante, j'ai poussé le rocher. Est-ce que vous pensez qu'il faut que je pousse d'autres rochers? C'est peut-être ça l'histoire, non? Est-ce qu'il y avait d'autres rochers plus haut? J'ai pas fait attention. Peut-être à gauche, il y avait d'autres rochers. Ah, oui. Oui, oui, oui. Très bien. Vas-y, viens. Viens ici, toi. Ah, bah, ok, je comprends mieux. Ah bah c'est bon, il est déjà sur le pont, parfait. Il est déjà sur le pont. Hop, comme ça on va pouvoir faire le petit chemin qui passe tranquille. Le petit chemin des familles. Normalement cette fois-ci on va pouvoir avancer de pont en pont. Non, non, te fourre pas. Non, Yerni, non. Voilà, c'est bon. Ok. Bon, on progresse plutôt pas mal. Ouh. Oh, j'ai eu l'œil là. J'ai eu l'œil. La bonne idée là, franchement la bonne idée. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ça a pas l'air de servir à quelque chose de repousser tout ça. Et là je vais me noyer. Donc si ça sert à quelque chose, il faut que je récupère un rocher. Il faut que je récupère au moins un rocher. Alors attendez, on va remonter. Hop. Je pense que celui-ci il faut que je le récupère, c'est sûr. Ah ouais, ça me paraît compliqué quand même. Ça me paraît compliqué. Y a pas d'endroit où je peux m'accrocher. Parce que là on est d'accord. Eh oui. Bon, valait mieux tester. Mais on est d'accord. Donc. Qu'est-ce qui peut me permettre de casser ça? On va remonter, voir s'il n'y a pas d'autres trucs, d'autres rochers peut-être que j'ai loupé encore. Ça paraît bizarre cette fois, mais... Il y a bien les rochers qui sont là. Non, je pourrais pas y toucher à ceux-là. Non, 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 donc c'est plus loin. C'est forcément plus loin, il faut que je fasse un truc avec ces rochers-là. Pas d'autre solution. Et ceux-là, on voit qu'on peut les bouger, donc... Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Attendez, peut-être dans ce sens-là... Attendez, hop. Parce que là je peux m'accrocher à rien du tout. Ah, tout bêtement, je pensais que ça faisait partie de l'arrière-plan au début. Ok. Ah bah voilà, tout simplement. Tout simplement. Et du coup tu pousses celle-là. Et tu traverses. C'est de plus en plus avec l'eau. Au début c'était tranquille, après on a eu l'océan. Maintenant on a ça. Prends-le avec toi. Avec les petits souvenirs derrière. Et par contre, ah, toutes les bêtes. Ça va me faire du mal ces bêtes là ou...
je ne sais pas, mais en tout cas j'ai pas envie d'y rester trop longtemps. Elle ne m'inspire rien de bon, ces petites bébêtes là. Ok, donc normalement on a passé le checkpoint, donc on sera tranquille. Eh bah non, regardez. Oula, je suis en train de plus en plus de me faire attaquer. Donc il me faut quand même ça. Vas-y, viens. Et foutez-moi la paix. Attendez, je vais me noyer, ça continue. Regardez, en faisant ça, je les disperse. Allez-y, barrez-vous. Ah. Voilà, viens comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Je vois pourquoi je m'embête. Hop, vas-y, passe. Voilà. Nickel. Barrez-vous. Je vais vous donner des petits coups, sinon. Attention. Barrez-vous. Non mais... Ciao. C'est plutôt pratique. Et là... Hop, on passe ici et on arrive là. Il y a de plus en plus de petites bêtes. Barrez-vous. Hop. Ok, oui, très bien. Le petit pont. Ça va, la mécanique commence vraiment à bien rentrer, je trouve. On commence à bien comprendre un petit peu ce qu'il faut faire. Alors, il y a des énigmes sur lesquelles on peut un petit peu bloquer. Ah, ça veut pas. Ça veut pas parce que je l'ai fait dans... Dans l'ordre inverse, je pense. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord que je fasse... Enfin, je suis pas certain, en fait. On va voir. D'abord, tu fais ça. Non. Ah. Tu gères pas, là, Julien, tu gères pas. On reprend d'où? On reprend d'ici. Oui, ok, c'est bon. Je cherchais le rondin de bois, mais c'est plus loin du coup. Donc, attendez que je ne me foire pas cette fois-ci. T'accroches ça là. On redescend un petit peu. On se balance. Voilà. Et cette fois, normalement, j'aurai suffisamment de mou, j'espère. Oui, c'est bon. Nickel. Et alors du coup, ouais, il faut passer par là tout simplement. Ouh. On arrive vers une petite épreuve encore une fois. Alors, un balancier. On va déjà retirer cette hache, si c'est possible. Enfin, c'est un marteau d'ailleurs. Il y a un secret là-haut, on le voit. Alors, attendez. Hop. On va fixer celle-là. Ensuite on va tirer. Peut-être. Comment est-ce qu'il faut faire à ça? Ah mais je peux venir là tout simplement. D'accord, je pensais qu'il y avait un... Je pensais qu'il y avait un mur. Alors, des fois en fait, ça c'est peut-être le seul petit défaut que je dirais, très léger, c'est que parfois la gestion du... Comment dire, attendez, jusqu'où je peux aller? Ok, là je peux y aller. La gestion du premier plan, second plan, est un peu aléatoire par moment. Mais bon, rien de méchant, du coup. Hop. Est-ce que là ça marcherait? Non. En revanche... Est-ce que là ça marcherait? Ah. Ah, il veut plus aller plus loin. Au pire, je pourrais faire ça dès le début, hein. Effectivement. Ok. Il suffit, je pense. Attendez. On va la refaire. Pourquoi il veut pas s'y accrocher? Voilà. Il suffit, je pense, de faire un nœud ici. Et du coup, normalement, ça va contrebalancer tout. Voilà, ok, très bien. Contrebalancer vite fait, en fait. Tu remonte. Tu peux pas t'y accrocher? Voilà, parfait. C'est bon. Nickel. Et du coup... On peut passer ici. Alors attendez.
Et ici, qu'est-ce qu'il faut y mettre? Il faut y accrocher ça et ça, du coup, si je comprends bien. Et là, ça va... Ça devrait, du coup, potentiellement tirer. Attendez. Tout bêtement. Ok. Ok, on va aller prendre le secret. Alors attendez, qu'est-ce que je peux faire de ce coffre-fort? Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Encore? Ah! Est-ce qu'il y en a encore un? Oui, il y en a encore un. D'accord, ok, je comprends l'idée. Et du coup, là, tu pousses comme ça. Voilà. Et là, du coup, on va pouvoir aller le chercher. Magnifique. Hop. Voilà. Et du coup, ici, hop. Et bien là, du coup... Est-ce que je peux refermer ça? J'arrive à passer ici. Ça va pas être si évident du coup. Je peux aller dans le four. Et je peux pas passer là-dessous. Ah là. Ok. Tout simplement. En fait, c'était une zone annexe juste avant. Et du coup, ouais, du coup, par contre, je suis trop court. C'est bien ce qui me semblait. C'est pas grave. On va juste venir détacher ça. Et on sera suffisamment long, en théorie. Hop. Et là, normalement, j'ose espérer que cette fois c'est bon. Je descends en rappel. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas passer par. Est-ce que je suis trop court? Je suis pas sûr de comprendre pourquoi il veut pas me faire passer. Je crois que c'est vraiment à cause de ça. Il me vient une idée là. Ah, attendez, c'est peut-être complètement fou, mais en fait, c'est pas une histoire de corde, je pense. En revanche, est-ce que je peux. Oh purée, c'est ça. Regardez, c'était ça. Et là, du coup, je peux me balancer. Presque ça. Bon, on a l'idée. On a l'idée, je pense que là, c'est clair. Faut se balancer un peu mieux. Alors par contre si je me tape, ça va pas le faire. Hop. Go. Encore un coup. Parfait. Nickel. Nickel, nickel. Bon, eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Comme je vous ai dit, je veux pas qu'il soit trop long, étant donné que je dois vous le sortir aujourd'hui. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Et puis on se retrouve dès demain pour la suite de notre aventure sur le jeu Unravel. Allez, portez-vous bien tout le monde, salut !